Vent légère, bah c'est du vent qui tourne ce midi sur la Canaro. Bonjour à toutes et à tous. On a un temps qui est variable à dégager. Une température extérieure à 21 degrés, une température de l'eau à 18-19 degrés, une marée qui est en train de descendre. Le plein bas est à 12h30, coefficient 98. Vous avez la Coupe de France qui se déroule toujours en face du Lac Annon Surf Club, Coupe de France de longboard et de stand-up. Et donc sur cette pleine marée basse, le vent qui tourne nord-nord-est, un beau fort. Le plan d'eau devient un petit peu ridé, mais ça reste propre. Et on a cette houle qui est moyenne avec 8 secondes de période, orientée ouest à ouest-nord-ouest, une houle qui n'est propre elle aussi, en légère atténuation. Il y a un déferlement régulier à la hauteur de moins de 50 à 50 cm, et sur les séries 50 à 70 cm. Un peu plus petit que ce matin, des vagues un petit peu en pic, mou, les phases de vagues sont lisses, bon, il y a des petits bouts, il y a de quoi glisser, c'est pas folichon, hein. Il y a quand même pas de quoi s'exciter, écrire à la famille, se jeter à l'eau en quatrième vitesse, mais c'est du petit surf tranquille, pépère. Accessible sur tout type de support. Il y a du monde à l'eau. Évolution pour le reste de la journée. Mais le vent devrait tourner nord. La houle devrait s'amortir. La bouarque cachon est encore à la baisse. Elle est à 70 cm et 6 secondes. C'est tout petit. On attend à 13h50, 70 cm. Houle ouest à ouest nord-ouest. 8 secondes de période. Vent de nord-nord-est à un beau fort. Et à 17h, 50 cm. Houle ouest à ouest nord-ouest. 8 secondes de période. Vent de nord à 2-3 beaux forts. Le vent devrait prendre cet après-midi. Même si on a un gros coefficient, une marée haute en fin de journée. On devra avoir un semblant de brise thermique. On suit l'action sur les 08 92 29 78 73. À 14h et à 16h, je vous souhaite un agréable dimanche. Merci.